Donc, la saga du crucifix à l'hôpital Saint-Sacrement est bel et bien terminée, mais j'espère que ça va nous servir de leçon collectivement parce que ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable, avec vous, tout le monde, là, vous avez été 15 000, on est capable de renverser des décisions ridicules. Vous l'avez fait au cours des dernières heures, au cours des derniers jours. Et oui, c'est un symbole, oui, c'est juste un crucifix, mais ça n'arrête plus. Si on avait laissé passer ça, quelle aurait été la prochaine demande? Les multiculturalistes n'arrêteront jamais, des lobbies vont toujours s'organiser. Et aujourd'hui, on a la possibilité de renverser ces décisions-là grâce à une espèce de démocratie directe, grâce à votre pouvoir. Vous avez été 15 000 à démontrer que vous aviez plus de poids qu'une seule plainte. Et aujourd'hui, vous pouvez célébrer. Mais il va en avoir d'autres batailles dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On va avoir besoin de vous parce que, malheureusement, les multiculturalistes n'arrêteront pas. Puis on l'a vu. Les politiciens et les bureaucrates sont à la remorque de l'opinion publique. Et le jour où vous vous manifestez, ils reculent. Si vous ne vous manifestez pas, ce sont des lobbies qui prennent cette place. Et aujourd'hui, on a prouvé que les citoyens ont plus d'impact que ces lobbies-là. J'espère que c'est une victoire qui en annonce d'autres. Et j'espère qu'on va pouvoir compter encore une fois sur votre appui. Merci à tous.